Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour comprendre que ces internationaux de France 1995 ne seront pas placés sous le signe des attaquants. Le prince de ceci, Pete Sampras, affronte chaleur et le numéro 2 mondial n'est pas à son aise. Sa saison sur terre battue se résume ainsi. Une blessure à la cheville à Monte-Carlo, une demi-finale à Hambourg et une défaite au premier tour à Rome contre Santoro. Pas de quoi se rassurer avant de jouer cet Autrichien redoutable sur cette surface et qui ce jour-là ramène tout, ou presque. L'Américain s'épuise à courir après le score, malgré un temps de récupération supplémentaire que lui offre cette colombe. Dans la cinquième manche, Chaleur est beaucoup mieux physiquement, la preuve avec ce dernier point somptueux, symbole de ce match. Pete Sampras nous quitte bien trop tôt, quant à Chaleur, son exploit sera sans suite. Un mardi pluvieux sur le cours numéro 1, Mikael Tillström est suédois, il est classé 141e à l'ATP et il sort des qualifications. Face à lui, le croate Goran Ivanisevic, tête de série numéro 4. Le suédois a un faible pour jouer les attaquants sur terre battue. Tillström sait qu'il va devoir concéder quelques aces, mais cela ne lui fait pas peur. L'an passé, il avait éliminé Richard Krajicek, alors pourquoi pas Goran? D'autant que le match est interrompu à deux reprises par la pluie, pas de quoi calmer les nerfs du Croate. La balle de match est superbe, Tillström bat Ivanisevic 7-5, 6-3, 6-4. Trois manches à zéro. 7-5, 6-3, 6-4. La première vedette à disparaître du tableau féminin, c'est Marie-Jo Fernandez. L'américaine est tête de série numéro 13. Cela ne lui a pas porté chance. Elle est battue en 2-7 par l'Argentine Paola Suarez, 173e joueuse mondiale. Marie-Jo n'est pas la seule ex-finaliste de Roland-Garros à quitter le tournoi dès le premier tour. Natasha Zvereva est sortie, elle, par la Roumaine Catalina Cristea. Du côté des filles, elles sont 18 françaises dans le tableau final. Et l'une des rares bonnes surprises nous vient du cours A. Nathalie Tauzia, l'ex numéro 1 national, est opposée à la Bulgare Magdalena Maleva, tête de série numéro 6. Nathalie, descendue à la 33e place, concède la première manche 6-4. Plus grave, la française est menée 4-2 dans le deuxième set. Mais grâce à un bel enthousiasme, Nathalie se reprend, revient à un set partout et finit même par s'imposer 7-5 dans le troisième set. Avantage, mademoiselle Tauzia. Un grand bonheur pour Nathalie. Deux manches à une. 4-6, 6-4. 7-5. Sur le même cours, Arnaud Butch joue son deuxième tour contre Javier Sanchez. Arnaud battu 9 fois dès le premier tour depuis le début de la saison. Le calvaire prend fin avec cette résurrection à Paris. Enquist en a fait les frais au premier tour. Arnaud continue de remettre son jeu en place face à l'Espagnol. Joue Butch.
Madame Sanchez a compris, le physique est là, la confiance aussi, le talent de Butch peut s'exprimer. 7-6, 6-2, 6-2, Arnaud est le seul Français présent en 16e de finale. Jouer 7 matchs, Butch, 3 manches à 0. 7-6, 6-2, 6-2. Lui, il fait peur à tout le monde. Thomas Muster arrive à Paris avec 5 succès consécutifs sur terre battue, 28 victoires d'affilée, de quoi gonfler un peu plus un moral déjà à toute épreuve. Gérard Solvez, un Français sorti des qualifications, a pris un set à l'Autrichien. Cédric Pioline ne connaît pas cette chance. Cela va trop vite, trop fort pour Cédric. 6-1, 6-3, 6-3. Thomas est lancé et montre à ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué que sa palette de coups sur cette surface est très complète. Ce tournoi est un rendez-vous particulier pour nos représentants. Quelques jours avant le début de l'épreuve, on apprend le forfait d'Henri Lecomte. Une blessure le prive de son 15e Roland-Garros. Les Français seront dans l'ensemble passés totalement à côté. Ils étaient 17 au départ, 6 au deuxième tour. Une misère. 15-0. Pourtant, tous avaient bien préparé ces internationaux, certains comme Guy Forget sous la houlette du capitaine Noah. 0-15. Mais cela n'a pas suffi. Le malaise est plus profond. Guy fait partie de ceux qui quittent le tournoi dès le deuxième tour avec cette défaite en 3-7 contre l'Espagnol Correcha. GZ match Correcha. 6-2, 6-3, 6-3. Une rencontre anachronique sur terre battue. Stich-Edberg, le duel des attaquants, tourne complètement à l'avantage de l'Allemand. Stefan Edberg, qui jouait son 48e tournoi du Grand Chelem de suite, s'incline en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2. Au moment de la traditionnelle poignée de main, une pluie de balles s'abat sur le central. Dans la masse des parties disputées, certaines sortent du lot. C'est le cas pour celle-là. Mats Wilander est toujours présent, pour le plaisir. L'ex numéro 1 mondial, 3 fois vainqueur ici, électrise les 10 000 spectateurs du cours A. Il pousse Juan Ferreira dans un 5e set épique. Le Sud-Africain tête de série numéro 8 commence à avoir peur, d'autant que le Suédois sauve 3 balles de match avant de servir pour le gain de la partie. Heureusement pour lui, Ferreira retrouve à temps son calme et son jeu. Il l'emporte finalement 8-6 au bout de 4h23 de jeu. Bravo, Mats. 3-6, 7-6, 8-6.
Elle n'a pas encore 15 ans, elle est suisse, elle est déjà numéro 23 mondial, c'est Martina Hingis. Pour son premier match dans le grand tableau de Roland-Garros, elle est opposée à l'Autrichienne Judith Wissner, classée un rang devant elle, mais avec une toute autre expérience. Martina réussit une sacrée prouesse, elle sauve 3 balles de match au 10e jeu du dernier set pour l'emporter 7-5. C'est l'Africaine du Sud, Morane de Schwart, qui est ensuite sur la route de l'apprentie championne. Le match est perturbé par la pluie, cela n'empêche nullement Martina de montrer qu'elle a du répondant. Victoire en 3-7 également, ses adversaires commencent à en avoir plein le dos. La belle histoire continue sur le central pour Martina, un prénom choisi par sa maman d'origine tchèque pour rendre hommage à Navratilova. Face à l'américaine Lindsay Davenport, cela commence plutôt bien, 6-4 dans la première. La tête de série numéro 8 fait alors parler sa puissance et s'impose en 3-7, mais on reverra, c'est sûr, le beau tennis de Martina Hingis et non pas Higgins, comme beaucoup l'appellent encore. Tout auréolée de son succès sur Maléva, Nathalie Tauziat aborde dans de bonnes conditions un troisième tour qui semble tout à fait jouable. Nathalie est opposée à l'Espagnole Virginia Ruano Pascual, 88e mondiale. Mais aussi bien chez les filles que chez les garçons, l'école espagnole est redoutable sur terre battue. Finalement, Tauziat est sorti en 2 manches, 6-2, 7-6. Jeu, 7 matchs, Mamadou Ruano Pascual, 10 manches à 0, 6-2, 7-6. Au troisième tour, Julie Allard, quart de finaliste de l'année précédente, a la malchance de tomber sur l'Espagnole Conchita Martinez. La numéro 4 mondiale reste sur une série de 4 succès d'affilée sur terre. Julie s'est bien battue, même si le score de 6-1, 6-2 est sévère. La Française est tout simplement tombée sur plus forte qu'elle ce jour-là. Match, Mme Martinez. Commence à 0, 6-1-6-2. L'un des sommets du tournoi, Michael Stich, Arnaud Butch. L'ambiance est étrange, il pleut pendant la quasi-totalité du match, pourtant la qualité du jeu est là, le suspense aussi. Butch est mené 2-7-0, il revient à 2 partout. Certains échanges sont fabuleux, exemple. D'œil sur l'homme surprise de l'année dernière, Alberto Berasategui. L'Espagnol finaliste en 94 est revenu avec son coup droit si particulier et toujours dévastateur. Un avantage Berasategui. Mais un bon coup droit, cela ne suffit pas face à un joueur aussi complet que l'Ukrainien Andriy Medvedev. Certes, Alberto remporte le premier set, mais Medvedev rentre dans la cadence. Le match est vivant, plaisant et très fair-play. À plusieurs reprises, sous le regard complice de Bruno Rebeu, les joueurs s'arbitrent eux-mêmes.
Et c'est pas si facile que ça. Bonne ambiance, bon esprit et un joli suspense. La partie va se jouer en 5-7 et la puissance supérieure de l'Ukrainien fait la différence. Seul point noir dans ce match, Medvedev se blesse à la paume de la main. 4-6, 7-5, 6-3. Boris n'est pas content. Il pleut, le match est lancé sur le court A à 19h25 et l'agacement de Becker n'échappe pas à Adrian Voinea, jeune Roumain issu des qualifications. Voinea profite à fond du trouble de son adversaire et des conditions de jeu si particulières. Il remporte les deux premiers sets avant que le match ne soit finalement interrompu. Boris ne décolère pas. Mesdames et messieurs, malheureusement, le match est suspendu. Le lendemain, le numéro 3 mondial ne renverse pas la tendance. Certes, il prend la troisième manche, mais Voinea finit par s'imposer. Boris Becker échoue une fois encore sur terre battue. Quant à Voinea, il détrône son idole et avec le Marocain El Hanaoui et l'Australien Draper, il est le troisième joueur sorti des qualifications à jouer un huitième de finale. Pour un hold-up, c'est un sacré hold-up. Dans le troisième set, Jana Novotna, la numéro 5 mondiale, se détache irrésistiblement. Tout va bien pour elle. Novotna mène 5-0 et 40-0 contre l'américaine Chanda Robin, 53e à la WTA. L'affaire semble entendue. Mais Chanda, qui n'a plus rien à perdre, joue hyper décontractée, quasiment le sourire aux lèvres. Elle recolle au score en sauvant 9 balles de match. Novotna se crispe et revit sa finale ratée de Wimbledon contre Graf. Tétanisée par la peur, Jana est finalement battue 8-6 avec une balle de match géniale. Un cauchemar pour Novotna, l'événement pour la radieuse Chanda. Le double vainqueur, l'ex numéro 1 mondial, se fait discret. Jim Courier a sur sa route un Espagnol, Costa. Pas Carlos, mais Alberto. Il est en train de se faire un prénom d'ailleurs. Le garçon a de la classe, il surprend l'Américain 6-4 dans la première manche. 30-40. Réaction de Courier qui appuie sur l'accélérateur, mais qui doit jouer vite et juste pour déborder le très accrocheur Alberto. Costa est le genre de joueur capable de ramener des balles impossibles, tout à fait le genre à détruire un adversaire dans le doute. Costa remporte les deux autres manches, 7-6, 6-4. Courier a bien du mal à revenir au sommet, mais décidément, à Roland-Garros, un Espagnol peut en cacher un autre.
Je set et match Costa. 6-4, 1-6, 7-6, 6-4. Muster Medvedev, l'affiche est belle, on se prépare à un match de cogneur, on est servi, mais en plus, on est surpris de temps à autre. Thomas Muster fait prendre un sacré rythme à son adversaire. Andrei Medvedev aime le jeu, il aime la bagarre, mais il est diminué par une blessure à la main. Je, Muster. Muster enlève ce huitième de finale en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. Thomas prend son rythme de croisière et le public parisien lui emboîte le pas. 6-3, 6-0. Question, Stich s'est-il remis de son match très disputé contre Butch? Réponse dans un premier temps, oui. Michael s'octroie le premier set, 6-1. Stich semble jouer sur un nuage. On oublie presque son adversaire du moment. Mais Chang se rappelle à notre bon souvenir. Dans le deuxième set, la machine se met en route. Retour, passing, 5-0. Interruption d'une heure à cause de la pluie, mais cela ne change rien pour l'Américain qui fait plier Stich en 4-7 en fournissant une énorme impression. On avait un peu vite oublié le vainqueur de l'édition 89, c'était une erreur. Le double tenant du titre s'offre un test probant devant Magnus Larsson. Les deux s'en donnent à cœur joie, cela fournit un match plein. Bruguera mène 2-7 à 1. Au début du tie-break du quatrième set, Sergi conteste l'appréciation de l'arbitre. Celui-ci refuse de vérifier la marque. L'Espagnol arrête le jeu et demande le superviseur. Celui-ci n'est pas sur le court. Attente, palabre, discussion. La partie est interrompue 5 bonnes minutes. Finalement, Sergi Bruguera remporte le tie-break et le match, mais il sort sous les sifflets du public du cours A. Marie, dès ses premières sorties, inquiète. Elle impose à ses proches un vrai rituel dans la tribune. Elle ne semble pas complètement au jeu. Lorsqu'elle rencontre Iva Maioli en huitième de finale, elle est en danger.
La Croate, jeune et talentueuse, elle n'est pas impressionnée ni par le bon départ de Pierce, ni par le public du central. La reine du tournoi 94 a le souffle court. Maioli répond coup pour coup. La Française semble déstabilisée. Marie n'est pas au mieux, elle est enrhumée et elle est gênée musculairement. Elle souffre à tel point qu'elle fera appel au kiné. Marie Pierce va bénéficier d'une interruption de 3 minutes pour traitement à l'extérieur du court. Elle quitte le court 3 minutes, le temps de se faire poser un strapping. Et pendant ce temps, Iva propose à un ramasseur de balles de jouer avec elle. C'est le jour de gloire de Vincent Ricard qui aura 14 ans 2 jours plus tard. Lorsque Marie revient, Maioli a complètement retourné le public en sa faveur. Reprise. De toute façon, il est trop tard pour la Française. Dominée dans tous les compartiments du jeu, la finaliste de l'année dernière cède 6-2, 6-3. Le vent et la pluie ont balayé certains visages avant les quarts de finale. Hommage aux disparus.
Les quatre quarts de finale dames se disputent sur le court A. Le spectacle est de petite qualité. Sanchez bat Rubin en 2-7, Daté en fait de même contre Maioli. Score identique pour Martinez contre sa compatriote Juano Pascual. Quant à Steffi Graf, elle exécute Gabriela Sabatini 6-1, 6-0. Steffi, intraitable. Voici le numéro 1 mondial. Jusque-là, André s'est promené que des victoires en 3-7. Il est en route pour un grand chelem dans le désordre. On parle beaucoup de sa tenue. Quant à son jeu, ça déménage. Mais Evgeny Kafelnikov n'est pas n'importe qui. Ce garçon, un peu chien fou, a un talent énorme. Je, Kafelnikov. Mais stupeur dans le stade, Agassi demande l'intervention du kiné. L'Américain sort pour mieux se faire soigner. C'est une blessure à la hanche, pas facile d'intervenir. Agassi revient, la mort dans l'âme et la haine au cœur. Dans un premier temps complètement abattu, André essaie courageusement de tenir. Mené 2-7 à rien, il tente un baroud d'honneur dans la troisième manche. Mais rien n'y fait. Kafelnikov s'offre le numéro 1 mondial en 3-7. Encore un Costa sur la route de Muster. Au troisième tour, il avait sorti Carlos en 3-7. Eh bien, en quart de finale, c'est Alberto face à lui, le tombeur de courrier. À 20 ans, l'Espagnol montre toute sa classe sur le central. Thomas doit sortir le grand jeu. Sixième joueur mondial, Alberto est certainement un futur grand de la terre battue. Son coup droit est quasiment l'égal de celui de Bruguera et de Berasategui. Son revers est terriblement efficace pour repousser l'adversaire. Quant à son sens du jeu, il est déjà bien développé.
Le gaucher autrichien n'est pas très rassuré. S'il a remporté le premier set, il est mené 2-7 à 1. Alors, il change de tactique et part à l'assaut du filet pour se rassurer et pour s'économiser aussi. Dans la quatrième manche, Muster réussit le break, mais il laisse passer deux balles d'égalisation à deux partout. L'Espagnol est toujours là. Mais à 5 partout, 40-0 sur son service, Costa coince. Il donne des points à Thomas qui n'en espérait pas tant. L'Autrichien s'offre un cinquième set. Dans cette ultime manche, la puissance physique de Muster prend le pas sur la belle résistance de l'Espagnol. Muster s'est fait peur. Si Draper et El Hanaoui ont disparu, Adrian est toujours là. Seul Thierry Champion avant lui, en 1990, a réussi l'exploit de sortir des qualifications et de jouer un quart de finale à Roland-Garros. Après avoir battu Becker, Wojnea a sorti Chesnokov et le voici face à Michael Chang. Le premier set est un régal. Bataille de coups droits, d'amortis, de lobes, de volets rétro, tout y passe. Seulement, jouer au plus malin avec le petit Américain n'est pas toujours simple. Chang est bien en jambes et il va assommer le jeune Roumain. L'Américain boucle le premier set 7-5 et sur sa lancée, il aligne 13 jeux d'affilée. Le rêve vire au cauchemar pour Adrien. Pour lui, le court devient trop grand, le filet trop haut et Chang trop fort. 7-5, 6-0, 6-1 en 1h38 et juste avant la pluie, Michael Chang n'avait plus joué de demi-finale à Paris depuis son parcours victorieux de 89. Match 100% latin et match 100% décevant. On n'avait pas vu un Italien en quart de finale depuis Barazzutti en 1980. Mais contre Bruguera, Renzo Furlan a fort à faire. Sergi met tout de suite la pression, il mène 4-0, puis empoche le premier set 6-2. Au début du deuxième set, l'Italien essaie de prouver que sa place à ce niveau n'est pas due au hasard. Messieurs, c'est un arrêt de 3 minutes pour blessure. Effort louable, mais pas de chance. Renzo se blesse à la cuisse, pommade, aérosol, protection. Malgré un bel effort pour rester dans le set, Furlan s'incline 7-5, 6-2. Bruguera, sans vraiment convaincre, retrouve Chang pour jouer sa troisième demi-finale de suite à Roland-Garros. Une
japonaise en demi-finale à Paris, c'est un événement. Kimiko Date, numéro 9 mondial, s'était déjà hissée dans le dernier carré à l'Open d'Australie en 1994. Face à la jolie Kimiko, soutenue par tout un pays, Arantxa Sánchez, la numéro 1 mondiale, la tenante du titre. L'Espagnole n'est pas complètement rassurée. Depuis le début du tournoi, elle souffre de l'estomac et puis elle a connu un tableau excessivement facile. Ce match devient vraiment un test pour elle. Kimiko est une joueuse surprenante, moins véloce et moins puissante que l'Espagnole. Date fait tout de même jouer à Arantxa grâce à un jeu très posé, très appliqué et très précis. Sánchez est tout heureuse de s'adjuger le premier set, 7 jeux à 5. Le premier mot de Arantxa Sánchez Vicario. 7 jeux à 5. À 3 partout dans la deuxième manche, Arantxa remporte un échange terrible qui met KO Kimiko. La japonaise perdra derrière 13 des 15 points joués. Sánchez déboule en finale sans avoir lâché le moindre set. Quant à Kimiko, elle aura conquis Paris grâce à son jeu et à son charme. C'est l'affiche de ces demi-finales. Graf revient bien après sa blessure au dos. Elle est invaincue cette saison, 4 tournois, 4 victoires. Quant à Martinez, on l'a dit, aucune défaite sur terre battue cette année en 4 tournois disputés. Steffi entame nettement mieux ce match. Conchita semble coincée par l'enjeu. L'Allemande n'a pas à forcer son talent pour enlever la première manche. L'Espagnol l'aide en commettant pas mal de fautes. 6-3 pour Graf. Tout semble aller pour le mieux pour Steffi. Un set en poche, puis 4-1 et même 4 balles de 5-1 sur sa mise en jeu. C'est alors que Conchita se réveille. Steffi sent le danger, elle essaie de terminer absolument ce match en 2-7, alors elle prend des risques, parfois ça passe. Mais à plusieurs reprises, ça casse. Bien qu'elle ait servi pour le match à 5-4, Martinez revient, elle pousse Steffi dans un jeu décisif qu'elle remporte. Cette confrontation méritait bien un troisième set, même si ce n'est pas l'avis du clan Graf. Le set décisif est haletant. À 3 partout, Conchita obtient 3 balles de break, mais Graf ne lâche pas. Malgré toute sa volonté, Martinez a laissé passer sa chance. En fait, elle ne marquera plus un seul jeu.
Néanmoins, Martinez oblige Steffi à jouer 3 balles de match avant de pouvoir savourer sa 7e finale à Paris. Jeu 7e match, Mademoiselle Gore. 6-3, 6-7, 6-3. La première demi-finale homme oppose Yevgeny Kafelnikov, dit Kalachnikov, à Thomas Muster, dit Musklor. Le russe commence plutôt fort. Pas de quoi néanmoins perturber l'Autrichien qui, sans se précipiter, met son jeu en place. Kafelnikov, qui a beaucoup joué depuis le début de la saison, marque le coup physiquement. Il ne peut alors compter que sur le talent de son bras. Cela ne suffit pas, la première manche est pour Thomas, 6-4. Le deuxième set est une sorte de punition. Muster l'emporte 6-0. Malgré de bonnes réactions du russe, le troisième set se déroule sans frisson pour Thomas. Sa force de frappe, nettement supérieure, fait la différence. Dans la troisième manche, Muster partait favori dans ce tournoi. Il est exa au rendez-vous. Pour la première fois de sa vie, Thomas jouera une finale dans un tournoi du Grand Chelem. Jeu, 7e match, Muster. 6-4, 6-0, 6-4. Deux anciens vainqueurs de l'épreuve s'affrontent en demi-finale. La rencontre met du temps à se lancer. En 14 minutes, 2 jeux seulement sont disputés. Le double tenant du titre essaie de se comporter en patron. Sergi y parvient en début de partie. Au fur et à mesure que le match s'installe, le fin stratège Ke Chang endort un peu son adversaire avant de mieux accélérer. Le premier set revient à l'américain, 6-4. Le jeu continue. Prenez place, s'il vous plaît. Sergi Bruguera a bien du mal à se révolter, même s'il pousse l'américain dans un tie-break. S'il vous plaît. Certains échanges sont alors interminables. Mais nous avons là deux hyper spécialistes qui utilisent toutes les possibilités de la terre battue. Jeu
La lucidité de Chang fait la différence. Deux manches à zéro, le double tenant du titre est en danger. Muster est prêt à prendre le gagnant. Dans le troisième set, Bruguera a des occasions. Par deux fois, il fait le break. Il sert à 5-4 pour revenir à deux manches à une. Mais à chaque fois, Chang recolle au score. Deuxième tie-break, Bruguera semble résigné. L'Américain réussit 7 points de suite. Le voilà pour la deuxième fois en finale à Paris. Jeu 7 et match 5. Quant à Sergi, il n'avait plus connu le goût de la défaite depuis 3 ans. L'Espagnol ne rejoindra pas Borg au palmarès des triples vainqueurs. C'est la 33e rencontre entre les deux jeunes femmes. Steffi mène 24 victoires à 8. Ce samedi 10 juin, l'enjeu est double. Le titre plus la place de numéro 1 mondial. Sanchez réussit le premier break, mais après quelques gouttes dans les yeux, Graf est plus à l'aise. Graf mène au score, mais la pluie interrompt le jeu une première fois à 5-4. Match suspendu. Après 18 minutes d'arrêt, la partie peut reprendre. Les deux joueuses jouent beaucoup plus libérées. L'Allemande enlève le premier set. Jeu de première manche. Mademoiselle Graf, 7 jeux à 5. 7-5, puis Steffi mène 2-0, mais la réaction d'Aranxa est admirable.
6-4 pour l'Espagnol, la place de numéro 1 mondial va se jouer sur un set. Sanchez-Vicario, 6 jeux à 4. Il n'y aura pas de suspense, Graf emballe le match pour mener 5-0, c'est alors que la pluie intervient de nouveau lorsque Sanchez s'apprête à servir. Cette fois, la pause est de 45 minutes. Reprise de la partie, au service, mademoiselle Sanchez Vicario. Trois minutes de jeu plus tard, Steffi Graf gagne ici pour la quatrième fois. Deux manches à une, 7-5, 4-6, 6-0. L'émotion de Steffi est belle car malgré ses 16 titres en Grand Chelem, l'Allemande n'est pas blasée. Au moment de son discours, Steffi craque. I just say that I'm really happy things. Ses larmes sont magnifiques, elle retrouve sa place. La première. Le couloir qui mène à la lumière. Chang a déjà connu l'honneur de jouer une finale ici. Pour Muster, c'est une première. Son cœur bat très fort, même si l'Autrichien n'a jamais perdu en trois confrontations contre l'Américain. C'est parti pour une finale inédite. Chang est plus rapidement dans la partie. Il mène 4-1. Il a même 4 balles de 5 jeux à 1. C'est le moment que choisit Muster pour se décontracter et frapper à plein ses coups. Muster.
C'est un retour au score express. Le premier set est emballé 7-5 en 47 minutes pour Thomas Muster. Son coach est rassuré. Jeu, première manche. Muster, 7-5. Dès lors, Chang va beaucoup, beaucoup courir et beaucoup souffrir. Muster. Une demi-heure suffit à Muster pour infliger un 6-2 à son adversaire dans le deuxième set. La troisième manche est de toute beauté. Je vous laisse apprécier les meilleurs moments. Avantage, Chang. La deuxième balle de match est la bonne, bien que jouée en 3-7, 6-4 dans le dernier. Cette finale fut très intense. Thomas Muster est le premier Autrichien à inscrire son nom au palmarès d'un grand chelem. Il mérite bien l'hommage du public et celui de Chang. Thomas Muster, le nouveau roi de la terre battue. Au revoir et à l'année prochaine.